Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société. Bonjour tout le monde. Oui, alors Stéphane qui est encore là aujourd'hui pour continuer notre session de jeu en duo de 1754 Conquest. Alors, on est rendu à la cinquième année de notre guerre. Donc, ronde 5 sur un maximum de 8. La partie peut se terminer en tout temps. La partie se termine lorsque les 4 cartes de traité sont sorties. Y a pas d'autres conditions de victoire, hein? C'est la seule? Non, c'est la seule. C'est la seule, donc voilà. Fait que c'est au maximum encore 4 autres rondes qui nous restent. Alors, on va y aller tout de suite, hein? Allons-y, Stéphane. Allons-y. C'est à ton tour de... Je vais reprendre mon dé rouge. Ouais, ben tiens, prends aller ton dé rouge. De toute façon, je ne veux pas... On va mettre le dé vert dans le centre, tu sais. Ouais, on va mettre d'ailleurs ce petit tour dé dans le centre. Alors, donc, on y va. Alors, le premier à agir sera... Ah, les Canadiens-Français. C'est toujours les Français qui commencent. Bon, les Canadiens-Français, enfin, je vais revoir mes Master Points. C'est ça qui est le plus important. Donc, je vais en mettre 3 ici. Voilà. Je vais en mettre 2 en haut. 2 en haut. Puis j'en ai 2 qui reviennent finalement. Et qui vont aller faire un petit tour. Un qui va aller là, puis il y en a un autre qui va aller Québec. Ici. Donc un à Saint-Jean et un à Québec. Voilà, et je suis content, ça fait du bien parce que ça faisait un petit bout là. Ok. Ok. Alors, je vais bouger 3 armées de 2. Ah, Seigneur. Oh, une Truce Card. Oui, c'est la première, effectivement, la première Truce Card qui est jouée ce soir. Mm-hmm. Des fois, on n'a pas le choix d'y jouer. C'est comme ça, c'est la vie. Ok, 3 armées que je peux bouger de 2. Ben, écoute, on va... 2 comme ça, alors on s'attaque à Halifax. On va voir, c'est pas ça, c'était le premier. Et de premier choix. Ensuite. Non, en quittant comme ça un Huron en arrière, le Huron il appartient à personne. Non, je sais qu'il appartient à personne. Alors, deuxième mouvement complété. Deuxième mouvement complété. Et pour ce qui est de mon troisième mouvement. Oh! On va s'attaquer. Et on va faire la bataille. Je vais faire un massacre. Alors, during all battles, si le joueur canadien a des native units, donc des vers, et qui sont en train d'attaquer, toutes les colonial units qui se sauvent sont tuées. Ah! Alors, donc on fait celle-là ou celle-là en premier? On va commencer par la grosse bataille. Ok, alors je me défends avec 3 comme ça et 1 comme ça. Donc j'ai une fuite et un hit. On va enlever celui-là. Je prends pas mes cornes de messagène. Hein, que je vais regretter. 3 meurtres. Alors, il t'en reste un. Oui, effectivement. Ma commande de messagène, c'est de secouer mon quin ici. Et ça revient à moi. Ça allait bien tantôt ici. Oui, il y avait eu une. Mais là, les Français sont. Et les Canadiens français sont très coriaces. En Estrie, Vallée du Richelieu. En Estrie, oui, alors vas-y. Il manque des rouges que tu as de ton. Attends, ton dé rouge. Je ne pas exporter tout le temps avec. Je ne voudrais pas le contaminer de mon bras. Bon, ça, il part. Puis j'ai un hit. Un verre. Tue-moi ça, ce verre-là. Donc, tu tires un. Ah, attends, il est mort ton blanc. Parce que ma carte. Ah oui, c'est vrai. Ma carte, ouais. C'était automatique. Alors, donc, un vert, un jaune. Un vert, un jaune. Puis. Oh, 2 colonnes de CG. Rien du tout. On continue. On continue. Alors, un hit. Le vert. Le vert. Oups. Presque manqué mon coup. Et le jaune.
fuis. Non, non, c'est un hit. Dead. Alors, je suppose que tu continues. Ben, j'ai pas le choix. J'ai pas d'examen. Alors, boum, fini. Ouais, quand même. Au moins, j'ai gagné, on va dire, une bataille. Une bataille, puis l'autre, j'avais fait un renforcement. C'est tout. OK. Alors, le prochain à agir. Le prochain à agir sera. Ah! Le rouge. C'est moi! Mais j'espère que tu es content. Je suis super content. Regarde, ça se lit sur mon visage. Mais oui, j'ai vu. J'ai senti qu'on aurait dit que bon, tu voulais plus que ça sur les affiches. Nos spectateurs ou nos. Auditeurs, YouTubeurs, abonnés. Abonnés, hein? Ou pas. Je ne vois pas. Ils ne sont pas toujours abonnés. Dans mes quatre bozos, les shorts. Les quatre bozos, le clown, qui se promène dans le clown. Un, là. Un, sept. Deux, là. D'accord. Alors, je vais jouer une carte de mouvement de deux. Alors, trois armées de deux. Oh! Donc, on rappelle qu'on a une Truth Card qui est en jeu. Présentement sur 4. Ouais. Ok. Donc, on va s'attaquer ici au Fort Saint-Frédéric. Avec ça. Donc, ça, c'est le premier mouvement. Mm-hmm. Ensuite, deuxième mouvement, ça va être. Ça là. Et les trois de là. Voilà là. Et même. On va amener bien du monde. Ça, c'est deuxième. Ici, ben, c'est troisième. Excellent. Donc, on a des batailles en masse. Oui. Donc, on va commencer par. On se canne, non? Ici, là, puis là. On va commencer par Louis Beau, tu sais. On va commencer par Louis Beau. Ouais. Ah, t'as ton dé de fort, non? Non, j'ai pas mon dé de fort. Oh! Tabarouette! Ça a pas de maudit bon sens. On va se protéger contre un. Oh! Je te fais quand même un dégât. Un dégât, mais. Alors, je continue. Défends-toi. Je me défends. Et c'est défendu. Ça fait... Vas-y. Ah, le fort change tout. Hein. Oh! On va continuer la bataille. Oh! Cette fois-ci, le fort fait rien. Oh! Et on a toujours rien. Seigneur. Bon, enfin! Voilà. Et là, je viens de me faire deux points même. Hum. Ensuite, il y a. En fait, les deux batailles qu'elle a. Oui. Alors, on va commencer par celle-là. Sauf que je vais jouer une. Ça ici, William Johnson. Alors, durant toutes les batailles pendant ce tour, tous les Amérindiens, ou excusez, des Premières Nations alliés avec les Français deviennent des alliés britanniques. Donc, ça ici, ça fait feu. Ça va faire feu. Donc, c'est cela. Oh, récupère ton petit cube. Je veux pas avoir le français de mon bord. Alors, je commence. Ici, il y a un fort, hein, je pense. Ah, oui, j'ai un fort. C'est quand même important. Alors, il y en a deux. Il y en a un qui sauve, mais j'ai deux meurtres. Deux meurtres de Première Nation. Deux meurtres. Alors, j'ai ça. Puis le fort ne se défendait pas, non? Non. Non. Il semble que non. Et j'en ai deux qui fuient, comme ça. Ça, c'est fait. Puis j'ai trois vite. Ils sont morts. Ils sont tous morts. Alors, ici, ça m'appartient à partir de maintenant. Fuck. Alors, ici, ça va être un massacre, je pense. Ah, le fort de présentation quand même de ton mort. Attention.
On a déjà vu... Deux Premières Nations viennent de prendre le bord. On a déjà vu des choses des fois se passer. Alors j'en ai deux de même. Trois comme ça, puis un de même. Lui, je le dis pas. 2 hits, 3 hits. 2 hits, parce que je... Ouais. Ben, ils sont là. Ah, alors, je viens de prendre le fort, la présentation. Et je viens de faire un grand ménage. Ben, tes troupes s'affaiblissent parce qu'après ça, il te restera plus rien. On verra. Ok, alors... 2. Puis t'as quasiment plus de 4 aussi. Prochain à jouer. Les réguliers français. Ça, c'est 8 à 6 maintenant. C'est pas... Ah, les réguliers français, ça c'est moi, ça. On va en mettre 2 là, puis tu peux-tu m'y mettre les 2 à Québec? Ouais. Non, pas à Québec, parce que je peux pas les mettre à Québec, mais dans le port. Ben, dans le port. Ouais. Ou dans le fleuve Saint-Laurent, devrais-je dire. Dans le fleuve Saint-Laurent. OK, donc là... je vais avancer 2 armées. De 2. De 2. Alors, commençons. Par ça ici. Puis on va aller là. Ça c'est à toi, ça c'est à moi. Okay. Ouais, ça c'est intéressant. On va commencer par se débarrasser du petit. Ouais. Vas-y. Non, donc, c'est toi. Premier. Alors, comment de décision, je m'en vais dans l'eau. Alors, je peux tirer mon point. Bien sûr. Ouais, okay. T'as récupéré l'Acadie ou presque? Pas quasiment au grand complet. Et on va faire celle-là ici. Donc t'as un fort. Wow, attends un peu. T'as... Ça c'est à toi? Là? Ouais. Et... Ou il y en avait? Non, il y en avait un là. Non, les deux étaient à moi. Les deux étaient à toi. Ça s'en va. Ouais, c'est ça. Fait qu'il reste 3 contre 2. Et j'ai un fort. T'as un fort. Alors, une fuite, un hit, un fort. Une fuite. Un 8, désolé. Un fort. Je voudrais m'excuser pour les Premières Nations qui nous regardent. ouais. Un fort. Donc ça me fait rien. Donc ça te fait rien. On continue. Il sort. Tabarouette. Est-ce qu'il détruit le fort? Oui, j'ai détruit le fort. Alors on détruit le fort. Et ça s'en vient à moi. Voilà. Puis ça revient à moi. Comme ça. Bon! Excellent! Ben, peut-être pas tant que ça. J'aime ça, moi. Bon! Alors, c'est-tu les Premières Nations qui vont apparaître sur le cercle? Oh oui! Donc, j'en ai 3 qui apparaissent ici. Puis 3 là-bas. Voilà. Puis 3 là. Ils sont pas beaucoup battus, les Amérindiens dans cette guerre-là. Ils ont souvent été... Alors, ben, il reste... Les deux qui apparaissent là... Peux-tu sortir ton dé? Ça serait le fun plus... Hein? Ça, ah, ben oui. Ça serait le fun que ce soit... Vous avez... On officialise la chose. Et tous ces blancs-là, j'ai pas le choix de les placer ici. Ben, tu peux les placer là aussi, si tu veux. Ah oui, hein, c'est vrai, c'est pas là, mon affaire. T'es un peu là. Ces deux là, c'est tout ce beau monde-là, en fait. Un peu. Attends, moi, je t'en avais du monde, toi. Ça me sert comme pas de sens. La quantité. Ah, monde, plus 2 qui sortaient là, j'avais oublié de sortir. Tout ce beau monde-là va aller là. Bon! OK. Les années avancent. Je vais jouer 3 armées de 2. Oh, 3 armées de 2. 2 de distance. Une, deux, je m'attaque à Montréal. Ah ben, tu viens t'attaquer à Montréal, toi, en espèce. 3 armées de 2, hein. C'est ce que t'as dit. Ça, ici. Alors, on va essayer de reprendre ce lieu.
Tu viens de faire tes trois mouvements. Donc on a deux batailles. Un peu, si je vais regarder si c'est vraiment ça que je fais ou... Non, lui, il va rester là. Il pourrait servir à quelque chose, tu sais. Ouais, je vais remonter là. Avec mes amis. Là, t'es-tu toutes les gars dans ce que tu fais, là? Oh, oui. Là, je te watch pas, mais là, t'as... Ça fait 1, 2, 3. C'est beau. Mais t'avais bougé lui aussi, là. T'avais bougé lui, là, pis t'as... Non, mais finalement, je l'ai pas fait. Tu l'as pas fait. Il faut que je te croie sur parole. Au pire, il y a un de nos abonnés qui va nous faire un commentaire. Ou le gars qui fait le montage, qui vérifie tous les règlements. Excusez. Ouais, c'est ça. Prochain, alors, que par quelle bataille on va commencer par celle-là ici. Là. Donc, ces deux-là, ils quittent. Ces deux-là, ils quittent. Donc, c'est ça. Donc, c'est moi qui commande. J'ai-tu un fort? Là? Non, il n'y en a plus de fort. Là. Tu l'as enlevé tantôt. Donc, je reviens chez moi. C'est un peu ce que je voulais, de toute façon. Ensuite, il y avait à Montréal. Montreal Beach. Ouais, c'est l'attaque sur Montréal. Donc, deux jaunes, un truc. C'est un mauve. Hein? Oh, une fuite jaune. T'as un dead. Et j'ai un dead. Bien sûr, il y a toujours les Premières Nations qui souffrent. Ah, en premier, ouais. Donc ça, plus deux Premières Nations. Merci. Ça, c'était à toi. Je t'ai tué les deux, mais j'ai deux coloniaux qui décident de sacrer le gars. Fait que ces deux-là sont morts. Et je viens de prendre la ville de Montréal. Donc la ville de Montréal est maintenant britannique. Qui n'est pas logique. Ça, on va regarder ça là, ça, on va regarder ça là. Puis il nous restait une bataille, celle de Fort Halifax. Oh, je vais pas le changer tout de suite, on sait jamais. Mais Fort Halifax qui n'a pas de fort. Qui n'a pas de fort, en fait, ce sont des ruines. Oui, ce sont des ruines. Alors, on y va pour commencer. Oh, alors, on en tue deux. Oui, non, là, relance la merde. Je t'en tue un. Je t'en tue un. Jambe, je crois. Pour l'instant, là. Ouais, ok. Ça va-tu? Non. Ah, come on, va-t'en. Deux. Oh! Boum, patapouf! On s'excuse pour vos oreilles. Fait que là, il y a un Stéphane heureux et content. Mais ses forces ont diminué. Oui, il y a ça, ben. Dans ce coin de pays. Ouais. Donc, c'est la fin du cinquième round. C'est effectivement la fin de la cinquième année. Alors, on s'en va à la sixième année maintenant. Toujours une seule choose card qui a été jouée. Alors, la partie achève. Donc, on y va. Pour le sixième round. Sixième, peut-être que ce serait la fin. Peut-être. J'en doute. Ah, oh, Seigneur. J'en doute. Les Français qui commencent. Ben, qu'est-ce que tu veux? Donc, t'en as trois qui apparaissent là. T'en as deux qui apparaissent là-bas. J'en ai deux là-bas. Puis je peux prendre mes deux. Ouais, tes deux. Tu vas en mettre un en haut là. Puis un bas, ouais, c'est ça. Exactement. OK. Ah, oh, attends un peu. Ça. Non, c'est bon. Ah, ok. Ah. Non. Ok. Ça. C'est écrit ce que. Alors, on va faire un mouvement ici de deux armées de trois. Alors. Ah, il faut ce qu'il faut. Donc on va aller là. Première armée, puis pour ma deuxième armée. Oh! Attaque sur Montréal. Ouais. Go! Oh, ça, je l'avais pas vu venir. Bon, lequel... Ouais. On commence par Montréal. Montréal? OK.
Donc j'ai un comme ça, puis deux verts, s'il te plaît. Je peux enlever ta commande. 2 hits. Enlève-moi deux jaunes. Étant donné que t'as des grands bras. Les verts. Oh! C'est à mon tour. C'est à mon tour. Ben, je vais continuer à me défendre, tu sais. C'est à mon tour. Ben, oh, t'as vu combien de décisions? Ben, tu peux pas. Ben oui, je peux aller là. Mais ça t'appartient pas. Tu m'as dit que c'est pas un rouge. C'est non, temps. Mais si, il ne faut pas qu'il y ait d'armée adverse. Hmm. Ok, je vais aller là. Hmm. Un peu, non. Je vais aller ici. Non, là. Et voilà, Montréal a été repris par les forces françaises. Puis on y va pour ce qui est de ouais. Fort Halifax, en ruine. En ruine. Oh! In your face. Ça, par exemple. Oh, ça, je suis heureux. Ça, ça, c'est de la chance. Oui. Ça, c'est de la chance. Alors, on va piger la prochaine carte et on continue. On continue. Oh! Oh! Donc, ça, c'est des. Des espèces de losanges. Ouais, des losanges. Fait que. Il y en a trois ici. C'est ça. Ouais, oh, ça fait du bien. Les anges, oh, il dit. C'est chiant. Oh, ça, ça fait du bien. Enfin, les renforcements des du recrutement qui fait du bien. Et oh! Je pense que c'est arrangé. Je vois pas pourquoi je dis ça. Mais... Alors, il y en a deux là. Je sais pas pourquoi tu dis ça non plus. Ah, attends un peu. Non, 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 c'est pas vrai. Alors, j'en flippe un à trois. Lui, il va devenir à trois. Donc, il y en a un supplémentaire qui apparaît là. Deux là. Ouais, tu sortes les choose cards bientôt. Hein? Puis je vais sortir une choose card! Oh, la deuxième choose card ici qui sort. Alors celle-là est là. Donc c'est trois armées de qui deux. De deux. Donc, la guerre qui est sévère ici. En Amérique du Nord. Les gens qui se demandent. Comment faire pour survivre? Les enfants qui pleurent parce que leurs pères ne reviennent pas. Hey, j'avais ces deux-là qui revenaient aussi. Oui. On va les mettre là. Un, deux. Un, deux. Alors, on a deux combats. Par quel tu commences? On va commencer par Saint-Jean, tiens. Saint-Jean, donc. Ouais. J'ai-tu un fort là? Non, non. Oui, donc, oui, donc. Ah. Un qui fuit. Deux quand même de Saint-Jean. Les prends-tu ou non? Ouais, ramène-les en arrière. Beau séjour? Ouais. Puis Montréal. Alors, t'as deux des jaunes, un des. Ça. Des mauves, violets. Et un mort. Chez les Amérindiens. Chez les Premières Nations. Et. Attends. Est-ce que tu recules à Trois-Rivières? Non, j'ai encore. Ouais. Oh, c'est n'importe quoi. Comment? Oh, va chier. Ah, excusez. Ouais, non, des fois, il parle comme ça. Mais c'est pas méchant. Ben, regarde. Il en restera un. C'est n'importe quoi. Ah, Seigneur, tu peux te mettre ton point à Montréal en passant. Ouais, je suis pas sûr que je vais le garder longtemps. Mais ça dépend. C'est-tu toi ou moi qui va être le prochain? C'est moi. Comme défaite.
Ok. Je pense que j'ai plus personne, là. 1, 2, 3, 4. Là, il appartient pas à personne, ça, là? Non. Fait que je peux apparaître là? Oui. Ok. Ah, c'est intéressant. Je vais apparaître ici. Là. Je vais jouer ici mon event Fortification qui me permet de placer un Fort Marker dans une place qui a un Fort Symbol, mais qui n'a pas un Fort Marker. Ici. Le fort de nécessité qui est reconstruit. On a reconstruit le fort. Et je vais jouer 2 en 1 à 3. Donc. On va aller là. Et. Ok, c'est bon. Fait que tu commences par lequel? On commence par enlever tes petits marrons rouges, ouais. Oh, va chier. ça, c'est n'importe quoi. Ok, ça, le port de Louisbourg? Ça, c'est n'importe quoi. Oh, common decision, je rentre dans le même. Ça, c'est n'importe quoi. Vraiment, là. Et on s'entend, c'est les réguliers de sa majesté Georges III. Ah. C'est mes dernières cartes. C'est une carte que je joue. Après, ça pourrait faire le plus mal, c'est ça. Bon, alors je jouais. Toi qui mène. Je mène. Ah oui, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Ok, je vais 5, jouer 6, James 7. Wolf. Tu mènes par pour 2. Plus 1 territoire, puis je vais jouer 2 armées de 4. Alors, 2 armées de 4 boostées par M. Wolf. 1, 2, 3, 4. Juste armée de 7. Ok. Donc j'ai deux comme ça, deux comme ça. Bon. Alors 2 hits, une fuite. Alors la fuite, 2 hits, ça va être des Amérindiens. Ah, t'as peu, non. Un Amérindien, un régulier. Oh, tu tues ton régulier. Ouais, bon, on va faire deux verres. 2 hits. Sont morts. Et voilà, Québec m'appartient. Je voudrais quand même répéter qu'à la troisième année, Stéphane a dit qu'il allait perdre la partie. Donc là, c'est vraiment parti pour que ce soit facilement lui qui gagne la partie. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il n'a pas les choose cards. C'est choose cards. Peut-être à cause que je ne les ai pas nécessairement. Alors, c'est la fin de cette année. Alors, 54, 55, 6, 7, 8, 9, c'est de l'année 1759. Alors, il reste deux dernières années. Alors, on va faire ça dans quelques instants. Go! Oui, alors, c'est le sixième round, non, septième. Septième de 8. Septième de 8. Alors, est-ce que ça va se terminer là? Oh, les coloniaux, hey, pour une fois que les Britanniques commencent. Les coloniaux qui commencent. Moi, qui apparaissent là. J'en ai deux là-bas. Ensuite, j'ai les trois qui sont là, qui vont apparaître. Ici. Et on y va. Bon, alors, George Washington, donc ça me permet de reconstruire. Un fort, donc le fort Oswego. Ah non, le fort Halifax. Qui vient de se faire reconstruire. Alors ça serait comme ma carte de tantôt. Suite.
Carte de mouvement, deux armées de deux. Deux armées de deux. Deux armées de deux. Alors, ça ici. Ça part, puis ça va là. Ça ici. Un, deux, fort, fort. Ah non, je peux pas aller à fort, fort. Non. Mais non, il n'y a pas de. Je peux aller là. Ligne. Oh, attends un peu, ça change la donne. Ça change la donne. Voilà. Donc, il y a juste un combat. Trois Amérindiens là. Donc, tu peux y aller avec. Puis t'as un fort. Un fort. Ça, ça va mal. Fait que lui, il va s'en aller là. Okay. Donc, je prends ce fort Niagara. Et je vais. Attends un peu. Oh well, oh well. Oh well. Oh well. Je vais prendre 4. C'est bon. Alors, prochain. Ça sent la défaite pour les Français. Quand. Oh! Après ça, je vais avoir le chemin libre. Oui, c'est sûr. Donc, je mets 4. 4 vont apparaître. Ah, ça y est. Ok, on va faire 3 armées de 1. On n'a pas pris sa Truce Card. Et... Donc, on va se rendre au maximum que le jeu nous permet. C'est d'aller chercher la police royale. Comme ça. Fait 1. On va remonter la côte. Donc, on va commencer par la police royale. Donc, ta défense. C'est où ça, la police royale? Ma défense. Ça, ça fait mal. Oh! On a réussi. Là-bas. À soutenir. Oh, ça, j'ai. C'est un fort en plus. J'ai ça, ça. Plus le fort. Un vert. Ah, un vert. Oh, un vert, j'ai ça. Plus le fort. Un 8, plus un fort. On va regarder ça de même. Donc, un 8. Oh! Ça, ça fait mal! Oh! Va chier! C'est gentiment. Gentiment, c'est ça. Gentiment. Hein? Gentiment. Gentiment. Bon, puis là, je récupère mes cartes. Bon, on s'entend que go. Il reste que moi. Et le Amérindien en question. Alors, au X, il y en a 3 qui apparaissent. Donc, voilà. L'autre X, je pense qu'il est ici. Non. Il est où? Il est là. Où c'est? Il est ici. Ouais. Beaucoup d'Amérindiens vivants encore. Alors, est-ce que tu peux prendre le prochain dé? Pour nous terminer ça. Régulier français. Phew. Ben, okay. Phew. Non, oui, phew. Vraiment. Vraiment. C'était ça que ça me prenait. Là, pour essayer de libérer tes Master Points. Ouais. J'avoue.
Ok, donc ben on va jouer la choose card. Trois armées de deux. Ah, attends un peu, avant je vais faire apparaître mes quatre. Hein, on s'entend. Alors mes quatre vont apparaître là. Puis les quatre vont aller là. Une armée pour un. Voilà. Ensuite de ça, on va aller faire un petit tour là. Pour deux. Puis, faut bien y aller le tout pour le tout. C'est à toi les Amérindiens. Hein? Oui. Puis, on y va. On y va où? On va commencer par oui, bon. Ça ici. Ouais. Ok. Ça, ça. Ça passe ou ça casse, on s'entend, tu sais, je veux dire, c'est là que... C'est ça, ça je te disais, je vais t'avoir à l'usure. Bon, tu vas m'avoir à l'usure. Je recule. Ouh! Ok. Bon, mes deux points-là font du bien. La deuxième bataille... deuxième bataille? Oui, on va aller là, ici. Là. Ouais. Donc, ça, c'est un guess, hein, comme on dit en bon français. Ouais. Wow. Wow. 2-8. Deux Premières Nations, je pense. Ouais, c'était pas là que je voulais me battre en passant. C'était ici que j'avais montré du doigt. Ah, ben là, c'est parce que j'ai tiré 3D. Ah, ben recommence. Ah, oh, Seigneur! Ben oui, mais c'était celle-là, vas-y, avec ton fort. Bon, lui il s'en va, je te fais un hit, puis je me défends d'un. Pour te choisir, il te dit que c'était mon verre, là, mais tu sais. Ben, je suis pas mal certain. Ça aurait peut-être pas été ça. Aurait peut-être pas été ça. Tu peux toujours retourner en. Là, tu peux te retourner soit là ou là. On va s'essayer. Ouais. On reste là. Ouais. On reste là. Le vert. Il fuit ça. Et le prochain. Et non le moindre. Bon. Là, tu te tromperas pas. 1-8. Enlève un vert. Fait que j'ai ça. Et ça fuit, mon ami! Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu comptes? Ben, ah, c'est ridicule. Déterminé, j'abandonne la partie. Ah! Ah, ben là, si je gagne pas cette bataille-là, c'est terminé. Ben, on va quand même finir. Ouais. J'ai aucune chance. C'est ça? Ah, oui, c'est terminé. La partie est finie. Est-ce que je pouvais pas faire venir? Là, mais! Moi? Il faut toujours finir ses parties. Ouais, mais pas cette fois-ci. Cette fois-ci, ça c'est impossible que je remonte. Il fallait que j'aille chercher ça. Puis, n'ayant pas réussi, j'ai personne qui revient. Ouais, en effet. Donc, Alors, tu peux pas faire venir personne. Ah, peut-être tu peux, peut-être pas, par exemple. Ah, peut-être pas, par exemple. Il y a toujours une solution à jeu. Peut-être que si j'utilise le marquis de Vaudreuil. Move one yellow Canadian muster marker to another town the French control in a purple, French or green bon. Native prends celui area. À trois, on s'entend. Ben, on s'entend. On s'entend très bien. Puis on ça va. Ça serait à Trois-Rivières ou. Ben là, je contrôle, c'est une ville, ça. Non, c'est pas une ville, c'est un fort. Ah, ben t'as Halifax, tu contrôles, t'as Annapolis. Non, faut que ce soit un purple ou un green. Ah. Fait que j'ai pas mal juste Trois-Rivières. Ben c'est déjà mieux. Hein. Ben. Non, y'a pas de ville ici. Non, y'a pas de ville là-dedans. Fait que c'est seulement Trois-Rivières. Ah, t'as Gaspé.
Je vais rester à Trois-Rivières, c'est central, je trouve. OK. OK. Donc, là, à ce moment-là, tu peux en placer trois là, plus toutes ces jaunes-là. Oui, plus... Move all native units located in the flat unit area plus one additional native unit into any green native home areas that have a fourth marker. Ici. Là, ou ceux-là là-bas. Non, je vais le mettre là. Là. Ouais. OK. Tu peux en placer trois jaunes de plus. Là, j'en place trois jaunes là. Oh! Là, j'abandonne plus. C'était comme... 4 de 1. Herc! 4 de 1. 4 de 1. De 1. OK, donc je vais... envoyer cette gang-là, là. Puis... Ah, c'est à toi, les... Je vais envoyer cette gang-là, là. Non, tu peux pas. Il y a pas de jump. Ah, ça, ça fait 1, 2. Ouais, ouais, il t'en reste 2. 1, 2... essayer. Ici? Ouais, 3. Puis on va aller. 1, 2, 3. C'est tout. Mais j'en bouge pas d'autre. C'est ça. OK. Alors on va commencer notre première bataille. Qui est? On va commencer la bataille de Québec. Bataille de Québec. Donc 2 ça, 2 à 2 vers, s'il vous plaît. La bataille de Québec. Donc ça fait un hit, un filet de lionnette. Enlève un jaune, s'il te plaît. Ah ouais, t'es sûr? Ouais, je sais pas. Ah, un jaune qui sont longs. Il y en a les traîtres. Regarde-moi ça, ces traîtres-là. Oui, il y avait un hit. Ouais. Bon, on va mettre un hit comme ça. Traîtres, traîtrises. On continue. Oh! Ça fait un peu plus mal. Non, c'est flan. Ah non! Non! On est en arrière de toi. Derrière toi, regarde derrière toi. Oh! 2-8. Bon. Oh, est-ce que je vais réussir à reprendre Québec? 1-8. Jaune. Et voilà! Et voilà, Québec est repris! Ça, j'aime pas ça, par exemple. Et l'autre à côté. Ah, Montréal. Montréal, est-ce qu'on va reprendre, réussir à reprendre Montréal? Oh! Oui, tu reprends Montréal! Oh, Montréal est repris! Oh! Ça change tout, n'est-ce pas? Oh! Alors, Fille abandonnée trop vite. Ouais, 8e ronde. Alors, 8e ronde, dernière ronde, mesdames et messieurs. Merci toujours d'être là. OK, donc, on y va pour la dernière. C'est toi. Oui, donc ça va encore se décider. Parce que là, présentement, avant de commencer, les Britanniques ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Les Français ont 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Donc, c'est 8 à 6. 8 étant pour les Britanniques. Alors, 8 à 6. Alors, on y va et on va commencer. Ouais. OK. Bravo! Ouais, j'ai comme mis trop de dés là-dedans. Trop énervé. Il y avait plus de chances que je porte les miens. Ben, coudonc, c'est le genre pareil qui finit par être pris. French Canadians. Alors, ben, il me reste qu'une seule carte. Fait que ça, donc, ça t'en as trois qui apparaissent là, deux là. Oh, j'ai mes Master Points. Ça va faire du bien. Un là. Deux là. Deux là. Plus les deux qui sont ici que tu vas les mettre là. À Trois-Rivières. Et puis, ben, il me reste seulement ma movement de 1. Ouais. Qui peut bouger. Une armée de 3. Une armée de 3.
Ah, on a oublié la bataille qui était là. Ah, mais on va la faire. Ouais, oui, on a oublié celle-là. Ah, je me défends, 3, t'es bon. Et voilà. Ça s'est réglé dans un temps. Ben là, j'ai même pas eu le temps de voir. T'es peut-être juste placé comme non, ça. Ben, ça regardera dans la reprise vidéo. Reprise vidéo. Reprise vidéo. Pas besoin de reprise vidéo. Là. J'ai pas la technologie pour faire des reprises de vidéo. Là. Hein? T'sais, wow, là. Bon, ok. Donc, 1, 2, 3. Je peux faire ça, dans le fond. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ceux-là. Ils vont aller faire un petit tour ici. On va faire la présentation. OK. On la présentation. Donc, je me présente. Il y a un fort, là? Oui. Non, pas de symbole, pas de symbole de fort, là, mon cher ami. C'est quoi ça? Ah, ben oui! Il y en a un qui est permanent. Ben oui, ben oui. Donc, un hit, et je me défends d'un. Oh, mais laisse mourir, là. Ah, je meurs, là. Fait que voilà, ça a été la job de mes French Canadians. Ensuite de ça, autour de qui? Oh, les réguliers britanniques. Les réguliers britanniques. Alors, il y en a quatre qui arrivent ici. Oh! Ah, je vais jouer la Truth Card, la dernière. C'est la dernière Truth Card, ça va se terminer à la fin de cette ronde-là. Ouais. Mais en fait, peu importe, ça se termine à la fin de cette ronde-là. 3 de 2. Malgré que je pourrais vous dire que les Français se sont battus vaillamment, mais je pense que l'histoire va se suivre encore. 1 de 2. Ça vaut quand même 2 points. Fait que c'est ça. Oh! Déjà un fort, là. Oui. Donc, je vais commencer par Montréal. OK. Alors, on y va. Deux fuites de... Ouais. Les French Canadians qui sont plus capables. Et il est mort, ton régulier. Ouais, donc tu peux t'enlever un de tes cubes, si tu veux. Et Montréal qui malheureusement retombe entre les mains. Tu peux mettre ton point aussi, mais ça me dérange pas si tu le mets pas. Ah, ouais. Tu sais, mais tu peux le mettre. Okay. Alors, Louisbourg, on va se battre à coup de 2D. Oups, j'ai échappé. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Je t'ai fait un. Il y en a un qui meurt. On continue. Je prends quand même Decision. Non, c'est pas vrai. Je suis sûr, cette fois-ci. Oh non, alors si je perds celle-là, c'est pas mal fini. Hein. Ça lui donne 2 points, celui-là. Hein. Et voilà, c'est la partie. La partie. On va quand même finir la ronde. Hein? On va la terminer, mais là, c'est pas mal fini. Ça, puis il n'y en avait pas de bâtard. Non, il me reste encore quelque chose, mais. On verra bien. On verra bien. Ah oui, c'est vrai, il y a un rang où j'ai pas pu jouer le mot de garde. Non, effectivement. Alors, c'est maintenant au tour des Amérindiens qui vont encore sur le X. Le X. En avoir un petit 3, hein, c'est ça? Ouais. En 3 là. Là. 3 et ça. Les 3 là. Ensuite de ça, nous avons l'avant-dernier qui est moi. Les réguliers. Alors. Ah, écoutez, je vais en faire. Je vais en faire venir 4 là. Et puis, je vais jouer celle-là. Deux armées de 2. Et je vais deux jouer armées de 3. Deux armées de 3. Puis, on va essayer d'aller reprendre nouveau pour le bien-être de la chose. Un. Et puis. Ouais, techniquement, c'est 1, 2, 3, tu peux emmener celui-là d'abord. Ouais, mais c'est peut-être pas ça que je veux faire, hein, tu sais. Ouais, c'est comme tu veux. Peut-être que ce que je veux faire, c'est 1, 2, 3 pour venir reprendre le port ici qui est tout seul et qui est laissé sans défense. T'en laisses-tu un derrière ou? J'en laisse pas derrière. 1, 2, 3. De toute façon, tu peux pas arriver là. Fait que c'est ça. Reprendre un fort qui. Reprendre un fort qui était Libre de droit. Alors on a une bataille. Alors go!
Go! Alors, c'est la bataille, c'est la bataille à deux. Ah, va manger un char de chien. Chenoute à marde. Ça n'a pas de bon sens. Chenoute à marde. Oh, ça me fait un. Ça fait un dégât, mais... Ah, ben cette fois-ci, regarde de mon temps. Bon, rien d'autre. Est-ce que je vais être capable de reprendre le contrôle? Est-ce qu'il est tout seul? On s'entend. Tink. C'est protégé. Ben non, tu peux pas. Je le sais. Alors, c'est la partie est terminée. On pourrait arrêter ça là. Ben non, on va finir le tour au complet. Ok, vas-y. Ben, pour le plaisir de nos abonnés. Le plus de points. Le plaisir de nos abonnés. Est-ce que vous êtes encore là? Ben, ça prend le... Ah oui, tu veux que... Oui. Ben oui, c'est sûr. Oui, alors voilà le dernier. 1, 2, 3 ici, 2 là-bas. Je sais qu'ils foutront probablement à rien du tout. Ouais, je vais mettre là, celui-là, là, ce coup-ci. Ben, je vais faire ça. Alors, c'est la carte en passant, parce que évidemment les gens ne le savent pas. Ouais. Il faut leur en parler. Alors, il faut placer tous les Amérindiens, les Premières Nations qui sont dans le Flea Area sur un endroit qui est vert. Avec un fort. Vert seulement avec un fort. Puis plus un. Oui, c'est ça. On va en prendre un. Parfait. Il en reste pas beaucoup. Il y a pas beaucoup. Enfin, on n'a pas massacré beaucoup d'Amérindiens dans cette partie-là. Comparé de d'autres c'était parties que si j'ai mal. Déjà jouées. C'était pas si mal. Bon, mais 4 armées de 1. On va finir avec ça. Ça va faire 1. On va faire 1. Un. On va laisser un pour la forme derrière. Là, ça fait 3 que j'ai fait. Oui. Le fort de Presqu'île, il vaut-tu un point? C'est lequel? Là. Oui. Oui. Okay. Bon, je vais laisser qu'un blanc derrière. Tout le monde, là, on va y aller. Alors, pour juste pour s'assurer que le match dure encore plus longtemps, parce que c'est vraiment pas nécessaire. Mais bon. Bon, ok. Alors, premier combat, on va faire celle-là ici. Alors, t'as 3 avec un fort, soit dit en passant. Yeah, je suis vraiment excité présentement. Un mort. Alors, parmi qui? Les Premières Nations. Et ça me prend 2 dés de Premières Nations qui sont ici. Et là, ouais. J'avais échappé. Donc, il y en a un qui fuit, puis t'as un dégât. Un mort. Un mort. C'est à ton tour. Oh, un mort. Je suis toujours chez les Premières Nations. Oh! Est-ce que tu t'en vas? Non. Un mort, puis le fort. Oh! Un mort du côté des Français. Rien par tout, et c'est fini. Et c'est fini pour là. Je viens de reprendre le fort Saint-Frédéric. Alors ici, alors t'as 3 T3 des jaunes, puis un fort. Yeah! Et il y en a 2 qui s'en vont, et j'ai rien. C'est vraiment... Oh! J'en ai 2 qui s'en vont, et je t'en tue un. C'est fini. C'est fini là aussi. Donc Stéphane a juste voulu faire ça pour être sûr de montrer qu'il m'avait massacré. Non, mais je veux voir le pointage à la fin. Dans la partie. Là-bas, t'as un fort aussi. Ouais, écoute, est-ce qu'on peut tout de suite marquer que t'as gagné? Parce que c'est comme... Ah, mais c'est encore drôle. C'est comme, ben, c'est encore drôle. Ben, c'est encore drôle. Ben, j'étais en tue 3, mais tu sais... 3 Amérindiens. Ce ne sont que des Amérindiens qui partent. Oh, j'ai un jaune aussi. J'en ai 2 qui meurent. T'en as 2 qui meurent, pardon.
J'en ai deux qui meurent, ben coudonc, on va, hein? Quelle surprise! Continue. Quelle surprise! On sait jamais. Oh boy. Je vais l'enlever tout de suite. Ah, mais non. Non, parce que j'avais pogné le fort. Ouais, non, ils vont pas là. On s'en fout dans le fond. Parce que ben non, ça se peut que je perds. Si tu récupères les Amérindiens. Ouais, mais je veux dire, t'es bonhomme, même si t'es mis dans ton pot, tu sais qu'ils reviendront pas. Eh non. Ah ouais. Comme ça. Ah, wow. Ah ouais, il va mourir, c'est sûr. Non. Même pas. C'est ça. En tout cas, tu es impressionné. Subjugué d'émotion. Oups. Ah ouais, j'ai mon fort. T'as ton fort, ça veut dire deux comme ça, là. Le fort, il... Et voilà. Et tu as gagné parce que tu récupères les Amérindiens. Ben, coudon. Et voilà, c'est la fin. Non, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres, le combat. Là-bas. J'ai deux jambes. Ah oui, c'est vrai. Bataille de Trois-Rivières. C'est la bataille de Trois-Rivières, effectivement. Alors, j'ai mes deux jambes. Et il sauve. Oh, tous les deux. Et voilà. T'avais pas fait quatre combats? Je sens que t'avais fait quatre combats. Ben oui, c'est ça. Les quatre combats sont faits. Mais non, ils sont pas faits. On vient d'en faire un troisième, ou quatrième. C'est sûr que... Oui. Et celui-là, non. Non. C'est tout? Oui, on a fait un, deux là, trois, ah, quatre. Ah, ok. Alors ben voilà, c'est bon. Ce qui me fait à la partie, ouais, Stéphane. On va faire le décompte. Ben, on va commencer avec les Français, puis ça sera pas long. Hein. C'est, j'ai un, j'ai deux, trois, quatre, cinq, six points seulement. Moi, j'ai deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze points. Oui, t'as deux fois plus de points deux que fois moi. Moins, deux fois. Alors, plus. Voilà. Alors, merci Martin. Ben merci Stéphane. Alors, on va ramasser ça, puis on va vous donner... notre première impression du jeu 1754 Conquest. Bon, alors on vient de terminer la partie. C'est quand même un peu long, surtout quand on se rend jusqu'au bout. Hein. C'est des parties assez longues. Alors j'ai perdu. Je suis très déçu de perdre contre Stéphane. L'histoire s'est répétée. Oui, encore une fois. Hein, la première fois que j'ai joué, c'est les Britanniques qui avaient gagné, mais par la peau des dents. Ça se dit pas ça, la peau des dieux. Mais c'est pas grave. Ça pas vraiment pas mais la peau des dieux, là. La peau des dieux, je sais plus. En tout cas, très. Par une peau, OK? Ouais. Une peau de fuck. Castor. Le castor, c'est plus thématique, mon affaire, je pense. Ouais, mais du fuck aussi. Oui, mais en tout cas, là, Stéphane a gagné le double des points de moi. Comment tu trouves ce jeu, ici? Alors, il faut dire que j'ai comme un peu un biais à travers tout ça, le fait que... Biais, ça c'est en anglais, hein? Bias, c'est ça? Ouais, mais ça... Ça se dit pas français. Non, ça se dit quand même. Pas grave. Enfin, donc j'ai comme un petit côté qui me dit « Ah, c'est super bon ce jeu-là, parce que ça traite de la guerre de conquête, c'est ma spécialité en tant qu'historien. » Je suis pas très, très impartial. Oui, parce que t'aimes beaucoup ça. À ce niveau-là. Mmh. J'avais beaucoup aimé 1775 et disons que si j'avais à côté 1775, je donnerais un gros 8 sur 10. Mmh. Lui, je lui donnerais un 8.5. Juste avoir donné cette règle supplémentaire sur les forts, ça change totalement certains aspects de certaines batailles, l'aspect très stratégique aussi qui peut être différent à ce niveau-là. Il y a aussi les Harbor Area ou encore les ports, la façon que ça fonctionne à comparer à 1775, je trouve ça vraiment génial. C'est beaucoup plus, user-friendly, là. Mm-hmm. Convivial comme on dit en français. Mm-hmm. Par contre, qu'est-ce que je remarque avec ce jeu-là? C'est que, oui, les dés, effectivement, ils peuvent changer la donne, mais aussi le fait que les Français, je pense que jouer les Français, c'est pas très facile. L'histoire se répète réellement. Les Français ne l'avaient pas eu facile lors de la véritable guerre de conquête. Ils ont perdu. Et, oui, effectivement, ils ont perdu, mais c'était pas facile. Et même dans ce jeu-là, je crois que ça l'a recréé très, 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 très bien. Ben c'est quand même la dernière partie qu'on a joué, t'as quand même failli gagner avec les Français. Là, ça a vraiment été une carte. Fait que c'est possible de gagner avec les Français. C'est des jeux. C'est un style de jeu que je suis moins fan. Je veux dire, des jeux de guerre, là, ce type-là, c'est pas le style de jeu qui me vient en tête tout de suite pour dire ah, ce soir je vais jouer à ça.
Sauf c'est celui-là. En fait, Academy Games, là, il y a celui-là, il y a l'autre qui est 1775, puis il y a Freedom, The Underground Railroad. Ben, il y a 1812 qu'on n'a jamais essayé. Ben, il y a 1812, mais je veux dire, tu sais, Academy Games, ils réussissent quand même à faire quelque chose de très, je dirais pas abordable, mais de très simple pour des gamers. Ça, c'est pas un jeu que tu vas nécessairement présenter à ta grand-mère. Puis que tu vas t'installer et dire on joue une petite game de 1754 Conquest. C'est plus complexe, sans que les règlements sont pas nécessairement très complexes, mais c'est beaucoup, beaucoup de réflexion. Puis bon, moi, Stéphane, il sait, moi je suis pas un, c'est drôle, j'aime, ça me dérange pas la chance dans certains jeux, mais des jeux où tu réfléchis comme un malade, c'est la même affaire avec X-Wing, là. Tu réfléchis comme un malade et puis que tu t'installes, puis là tu mets tes bonhommes, puis là t'arrives avec tes 17 mauves contre les 5 verts puis 3 jaunes de l'autre, puis là tu lances les dés et bang, tu perds. Ça me frustre énormément. C'est frustrant. En fait, l'aspect des dés recrée aussi certaines décisions qui se prennent sur le moment, sur le champ de bataille, et c'est là pour recréer justement l'aspect un peu aléatoire de certaines de certains aspects de la bataille. Oui, je comprends. Par contre, effectivement, pour un gamer, pour quelqu'un qui joue à un jeu, qui a pensé à sa stratégie et qui croit sérieusement gagner grâce à sa stratégie, qui est infaillible, mais la faille, c'est les dés. Ben c'est ça. Mais tu sais, puis là, cette partie-là, c'est pas à cause de ça que je l'ai perdu. Stéphane avait réussi à s'accumuler énormément de troupes au centre, pis c'est comme ça qu'il a fini par prendre à peu près le reste du. En fait, la vallée de la Saint-Laurent, c'est ça. Il aurait fallu que je varge dans le tas pendant que je pouvais, puis après ça, c'était difficile. Pour nos amis français, varger, ça veut dire frapper. Foncer dans le tas. Oui, c'est ça. Mais en général, j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu-là. T'sais, je vous l'ai toujours dit, moi j'aime beaucoup les jeux où on a l'impression de construire quelque chose. Puis celle-là, tu vois vraiment le plateau se former pendant la partie, les unités qui s'en vont de droite à gauche et tout ça. Très intéressant. Puis d'ailleurs, si vous voulez pas de chance dans votre jeu, le seul à date que je connais vraiment qui a pas de chance dans un jeu, c'est celui-là, c'est Food Chain. Magnet, que là, y a aucune chance. Aucune chance, il n'y a pas de dés, puis tout le monde part avec les mêmes chances. Bon, bref, bonne recommandation pour moi. J'apprécie beaucoup ce jeu-là, j'aime ça. Puis si vous aimez ce style de jeu-là, ben c'est un gros pouce en l'air pour moi. Puis ben toi, j'imagine que ouais, effectivement, c'est un gros pouce en l'air. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Martin, de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. C'est toujours le fun de jouer à des jeux de société. Hein? Mm-hmm. Puis tout seul, ben. Puis en espérant que la prochaine fois, ça va être dans mon nouveau sous-sol. Peut-être bien, on sait jamais. Hein? On va l'espérer. Il va avoir un petit peu moins de jeux. Mais... Oui, mais de plus en plus, tu vas en avoir. Mais il va avoir Martin. Oui, ben oui, ça vient un peu avec, mais merci beaucoup. Puis ben si vous êtes pas abonné à ma chaîne, ben allez-y, abonnez-vous. Allez voir mon Facebook, mon Instagram. Mon Instagram, comme je l'ai dit, mon téléphone a tombé, puis là j'ai ma caméra à clou a explosé en arrière de mon téléphone. Fait que ça va être dur de faire des photos sur Instagram jusqu'à temps que je change mon téléphone. Mais allez le voir pareil. Allez faire un petit tour sur passionboardgames.com, www.levalet.com. Puis d'ici la prochaine fois, ben amusez-vous avec vos jeux de société et... Hey, comment, faut que tu le saches, là. On se revoit. Ah oui! On se revoit. Pour très bientôt, pour un prochain épisode. On se revoit très bientôt. Oui. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Bye. Bye.